contrairement à un tuto, je veux cette vidéo comme un exemple. Aujourd'hui, on va se mettre dans la tête d'un Reinhardt. Analysons un passage. Commençons. J'entends le Gilgi qui s'apprête à Blade. Je charge en direction des supports. Je récupère le kill sur le Genji en l'interceptant. Je me décale, régénère mon shield, Fire Strike. Je vois la bulle laser qui disparaît, je décide de shatter. Je prends l'information et shatter, puisque je vois que le shield est très loin. Je sais qu'il a un shatter néanmoins, donc je swing. Mais dès que je vois l'animation, je bloque le shatter. J'envoie une frappe de feu, je regarde leur position, j'avance, j'avance. J'avance. En attaque, je suis trop à découvert. J'utilise le shield up pour me mettre à couvert. Je vois que j'ai une opportunité de charge pour revenir dans ma backline. Ça me permet d'emmener Lazari avec moi et de la tuer avec mes alliés. Je sais qu'on a le spawn advantage puisque toute ma team est derrière moi. Donc là c'est le moment de pousser. Ma charge revient dans 2 secondes. Le Reinhardt fait une faute. Il charge, mais se bloque très vite. Je peux le tuer. J'ai toujours ma charge. Le mec m'a déjà flash, donc je peux charger. Je récupère le Macri. Je dis dans le vocal que je veux pousser très fort. J'avance. Je vois qu'il y a une Zarya. Elle a déjà utilisé sa première bulle et utilise la seconde. J'attends l'expiration de la sienne et je mets mon shot. 2 swings et une fire strike pour apporter du burst damage. Je pousse sur le bâtisse que je peux tuer et ensuite je bloque la position. J'occupe l'espace. En leur montrant que je suis là, ils vont rotate pour aller à gauche. Je le sais puisqu'il n'y a plus personne. Je vais donc à gauche. Je skip la bombe de tresseur, je bloque le flash click droit du Macri. Le Reinhardt dort, je vais pas le charger, ça peut être punitif. Le Macri a déjà utilisé sa flash, il est hors position, c'est-à-dire devant le shield, et le Reinhardt est déjà parti, je peux donc le punir. En avançant, je dois faire tomber le shield. Je sais que ma Zarya me couvre, du coup je charge le Reinhardt, ce qui l'empêche de partir. La situation devient trop dangereuse. Avec la fenêtre de Baptiste, il faut que je joue avec le cover naturel. Je décide de reculer, je me couvre d'abord avec le payload, puis je remonte les escaliers en direction du mur. Je sais qu'ici, on ne peut pas me toucher. Ça force le Macri à venir, je me fais nano, je récupère l'avantage, et je pousse. Attention au KD, je le bloque, et j'avance. Je mets la pression sur Reinhardt pour brûler ses ressources. Mon objectif est de shatter la Zarya qui a déjà utilisé ses bulles. Le Reinhardt tente de m'intercepter, et je dois appliquer un maximum de damage sur lui. La Zarya se relève et nous balance un gravito. Le bastion sur le côté va exploser mon shield malgré les 600 points de vie que je réserve pour mes alliés. Je profite ensuite du chaos de l'ultimate de Junkrat pour pin la Zarya. Il ne faut pas que j'aille s'exprimer. C'était 3 minutes dans la tête d'un Reinhardt.